premiers chœurs de Zamba Crew, c'est les Abutu qui ont assuré les chœurs. Donc, tu vois un peu le choc que ça fait. Et d'une part, j'étais obligé de l'assumer. Je me suis dit, ouais, c'était fini, c'était fini. Et ce jour-là, on a donné un de nos plus gros concerts à Boisseau. Parce que chacun, à son niveau, devait démontrer qui il était. Tu vois, donc après ça, c'était le regard des gens quand je venais dans mon quartier. J'étais un peu vu comme le petit traître et voilà, j'entendais des choses. Mais bon, après, je devais assumer, je devais regarder droit devant moi. Il a fallu se battre contre tout ça. Et puis, au fil du temps, voilà. Tu sais, au moment où tu relates cette histoire, ça me rappelle cette belle chanson qui reste pour moi l'une de tes chansons intemporelles. Forcément, peut-être c'est cette situation qui a dû t'inspirer cette chanson, L'ingrat que je suis. Tu savais que j'allais en... C'est ça. Donc voilà. Comment un soir tu te retrouves à écrire cette chanson? Je pense que quand, à travers les regards des gens, tu décodes certaines choses quand même. Tu peux lire le message qu'ils t'envoient. Donc c'était ça. Parce que j'étais un peu en solitaire. J'étais un peu en solitaire et à chaque fois que je rencontrais des amis, on me disait non, bon, toi, il paraît que maintenant tu as pris la grosse tête, il paraît que. Donc il n'y avait que ça. Et puis, comme ça, un soir, quand je rentre chez moi, je me dis, mais attends, en fait, j'ai raison à la base. Je me plains parce qu'il y a eu ça, il y a eu ça. Parce que le contrat n'a pas été respecté, parce que on est toujours en train de vouloir me rendre petit, malgré tout le travail que j'abats, tu vois, c'est pas reconnu à juste titre. Mais est-ce qu'ils s'en rendent compte, en fait? Tu vois, et puis bon, la plume, elle part. Je commence à écrire l'ingrat que je suis. Je relate un peu mon histoire, tout ce que j'entends. Et puis voilà, je me dis que le temps nous dira. Je m'accroche au temps. La vérité triomphera un jour. Et cette vérité, c'était quoi la vérité qui des années après, a pu triompher? Des années après, la vérité, c'est ce que je vis aujourd'hui. C'est le culte du mérite, le travail. J'étais assez convaincu que c'est par le travail qu'on pouvait atteindre la félicité, en fait. Et voilà, je ne me suis jamais dérobé de mes tâches. Je me disais que pour atteindre le summum, il fallait bosser. Tu vois, pendant que les autres dormaient, pendant que les autres avaient d'autres chats à fouetter, moi, j'étais toujours en train de travailler en studio, chercher des mélodies, je faisais que ça. Donc, pour moi, c'était ça, la vérité. Et quelques années après, bon, voilà, j'ai pu m'assumer, quoi. En tout cas, tu es resté dans le game, comme on le dit. Mais lorsque tes gars t'accusent, ou bien ils accusent Killy quelque part, à qui tu es resté fidèle jusqu'à ce jour, de dire c'est lui qui était en train de te monter quelque part, avec du recul, est-ce que ce n'était pas lui qui avait, on va dire, qui te montait quelque part? Oh, Killy, je pense que Killy, c'est quelqu'un d'assez loyal quand même, Killy. Très paternel aussi avec toi. Très paternel parce que Killy a travaillé avec mon père. Et quand mon père a accepté que je fasse la musique, c'est Killy qui l'a fait asseoir en premier. Et il lui a dit, ben voilà, moi je ne travaille plus. Tu as voulu que l'enfant fasse de la musique, donc je te le confie. S'il réussit demain, c'est toi. S'il échoue, ça sera toi. Moi, je n'ai jamais voulu qu'il fasse de la musique, comme tu m'as convaincu. Donc, quelque part, Killy, c'est un témoin, quoi, privilégié de mon histoire. Mais je pense qu'il y a eu un problème de gestion à la base, au niveau des salopards. Il y a eu un problème de gestion. On était jeunes. Des gars qui sortent comme ça d'un quartier et on vous propose, par exemple, 15 à 20 millions pour enregistrer un album. Si vous n'êtes pas strong dans la tête, si vous n'êtes pas structuré, ça peut partir dans tous les sens. Et malheureusement, c'est un peu ce qui nous a rattrapés. Voilà, on avait sorti un album, il fallait de l'argent pour faire la promo, il fallait de l'argent pour faire des choses. Et du coup, il y avait ça bougeait pas. Cet argent, c'était vous la saisir. C'est ça, donc il fallait des comptes. Et quand même, les salopards, c'était quatre forts caractères. Donc, des réunions en réunion, chacun veut montrer que c'est lui qui décide, c'est lui qui... Les salopards, quand on dit les salopards, c'est lui. Donc, voilà. Donc, ça l'a pas fait, quoi. Donc, ça a explosé. Donc, je pense que ce n'est pas la faute à Killy. Mais en tant que papa, il aurait pu te raisonner aussi, non? Pourquoi pas? Ben, il a fait. Il a fait. Mais j'étais déterminé à ne plus subir ça. Parce que je me disais, j'avais choisi la musique comme métier. Il fallait que je m'en sorte. J'avais une famille à
à nourrir, j'avais une famille, je devais m'occuper de ma famille, je devais me construire. Et ce n'est pas en faisant des petits coups bas ou des petites choses, ou faire des choses et puis ne pas avoir un retour d'ascenseur que j'allais m'en sortir. Il fallait que je m'assume, même si je souffrais, je devais souffrir tout seul, mais en avoir les bénéfices. Voilà. Cette carrière solo démarre pas évidente, mais tu t'engages quand même. Tu sors l'album Zambacro, où tu es aussi incisif, très poignant d'ailleurs. Un régime militaire que tu dénonces, mais limite, on s'est dit, mais attends, on vient de voir ta gauche, je sais pas, on te met un cross, mon ancien. Où il y avait tout ce qu'on peut connaître, tous ceux qui ont vécu là. Ouais, je pense que partant des salopards, déjà j'avais ça dans l'ADN, quoi. Et pour Zambacro, avec le régime militaire, c'était quand même un engagement assez fort, parce que c'était quand même assez brutal. Très. Voilà. Moi, je me rappelle encore que j'ai eu des mois où je me faisais, comment dire ça, je me faisais suivre pendant des mois sans savoir même qu'il y a des gens qui me suivaient, en fait. Et un soir, je me suis fait, je ne le dis pas très souvent, mais un soir, je me suis fait enlever, moi. Je me suis fait enlever. Tu n'en as jamais parlé? J'en ai jamais parlé. J'en parle en tout cas très, très, très rarement. Pas dans les médias, en tout cas. Pas dans les médias. À tes amis. C'est ça, par les militaires au quartier. Un soir, je me suis fait enlever et tu avais quatre bonhommes. J'en connaissais un. Et ils m'ont laissé quelque part en zone 4, là. Mais quand tu es en face de militaires armés, et tu te rends compte que les gars, ils ne sont plus eux-mêmes parce qu'il y en a qui ont fumé, qui sont dans des états seconds. Et puis, vous êtes quelque part en zone 4, dans un endroit où personne ne peut même te retrouver. Et ça discute, quoi, sur toi. Voilà. Et certains disent non, il faut y aller. D'autres disent non, ils sont en train de se convaincre, quoi. Ce jour-là, j'ai eu la peur de ma vie. Je suis resté bouche bée. Et puis je m'en suis remis à Dieu, quoi. Je me suis dit, si le combat il est noble, en tout cas, je suis en tes mains, quoi, tu vois. Et après, ils se sont pris la tête et tout, hein. Ils se sont pris la tête. Après, j'ai été dépouillé de tout ce que j'avais. Ils m'ont jeté quelque part, là, en zone 4, quelque part. Donc, je me suis débrouillé pour rentrer à la maison. J'en parle pas très souvent, mais il y a eu plein de petits coups comme ça. Plein de petits coups comme ça, hein. Wow. Après, tu te poses la question, est-ce que même quand on te dit bon, tu dois passer sur scène pour chanter Zambacro, tu regardes qui est dans le public, quoi. Tu vois? Et ça, il y a des choses comme ça sont légion. Hein. Ouais. C'est tellement fort. Merci pour l'exclusivité. Merci pour la confidence. Mais en même temps, lorsqu'on voit que tu sois une telle chanson, c'est comme si quelque part tu étais un peu un écorché vif, quelqu'un qui avait envie de dénoncer beaucoup de choses. Parce que ta carrière musicale le démontre. Hein. Est-ce que ça, c'est une explication? On va dire, cet engagement à vouloir dénoncer vaille que vaille, même quand on sent qu'on prend des risques, ça te vient comment? C'est quoi? Parce que ton papa, il était militant, il était syndicaliste, c'était quoi? C'est quoi les sources d'un tel engagement? Je ne sais pas, mais peut-être que je suis assez rebelle à la base. Et je pense que je suis toujours en train de scanner la société dans laquelle je vis, toujours en train de me dire qu'on peut faire mieux. Et en toutes circonstances, j'ai envie d'être libre dans ma tête et dans mes prises de parole et tout. Je pense que ça doit être inné, le fait d'être assez rebelle. Et puis ça déteint sur ma musique. Ça déteint sur ma musique. Et puis à la base, j'étais très reggae-phile. Donc tout ça a concouru à former cet état d'esprit-là. Voilà. Mais on peut pas l'expliquer vraiment. Voilà. On s'engage comme ça et puis... Ça fait partie de ton ADN. Voilà. Soit c'est toi ou c'est pas toi. C'est ça. C'est quoi ta vision du monde? Comment toi tu veux voir le monde? Tu rêves de quel genre de monde? De quel modèle de monde? Où les libertés des uns et des autres sont respectées. On donne le choix aux gens de s'assumer, de s'exprimer, quel que soit ce qu'ils sont. On donne le choix aux gens de faire des erreurs. Une société assez, comment dire ça, tolérante, assez tolérante, et puis une société où on ne confond pas l'argent de la masse à son propre portefeuille. Je pense qu'aujourd'hui, en Afrique, il y a tellement de défis à relever.
que souvent vous avez un groupuscule de personnes souvent qui emprisonnent les rêves de tout un peuple. Et ça, ce n'est pas normal. Donc, c'est des choses que je dénonce tout le temps. Et puis, voilà, vivre en liberté, vivre en harmonie avec nous-mêmes et avec les autres. C'est clair que là, tu l'as tellement dénoncé déjà à travers les chansons et tu vas en écrire encore. Mais quand, en tant qu'être humain, quand tu vois l'évolution du monde, quels sont les faits qui peuvent, toi, te faire pleurer, par exemple? De voir des gens dans la misère, de voir la pauvreté, ou bien de voir des gens qui ne sont pas tolérants. Enfin, qu'est-ce qui peut te faire vraiment dégoûter de ce monde-là dans lequel on vit? Mais l'intolérance, déjà, dans un premier temps, tu vois. L'intolérance, voilà, se substituer même à Dieu, parfois, tu vois. Penser qu'on a le droit de vie ou de mort sur des gens que Dieu a créés. Ça, c'est des choses qui m'interpellent profondément. Au-delà de ça, c'est les misères. Je pense qu'il y a tellement de possibilités à faire mieux. Et souvent, il y a des gens qui crient, quoi. Tu vois, leur silence et leur misère, ils sont tellement dans leur coin que ça résonne. Mais personne ne les entend, quoi. Tu vois ? Et des gens qu'on cherche à faire disparaître. Ça rappelle une de tes chansons qui est sur l'album « Que la lumière soit ». Voilà, voilà. C'est voilà. Ça. C'est j'ai les paroles silence. Là qui me passent dans la tête, mais je crois bien. Qui saura ? Un silence meurtrier, tu vois. Tout le monde le sait, mais tout le monde ferme les yeux. Alors que c'est possible de faire autrement. Voilà. C'est clair que tes paroles, les paroles qui sont contenues dans tes chansons sont celles que tu déclames, même quand tu t'exprimes, parce que ce sont des choses que tu vis, ce sont tes émotions, tes valeurs que tu essaies de retransmettre au-delà à travers tes chansons. On va s'intéresser à tes différents albums. Là, tu sors Zambacro, Carrière Solo Boom, ça prend Terre des Hommes, c'est la consécration. Cet album, waouh. Terre des Hommes, ouais, waouh, comme tu dis, c'est vraiment l'album qui m'a révélé au monde, inattendu. Tu vois, je suis dans mon coin après Zambacro, un succès assez relatif. Et puis, je suis dans mon coin, je continue d'écrire. Et là, j'ai la visite d'Henri Cattier qui me propose de faire un album. Voilà, et puis on part en studio, on commence à enregistrer l'album. Là, j'ai envie de déchirer le monde, quoi. J'ai envie de démontrer aux hommes. J'ai envie de parler à la terre des hommes. Et à la terre des hommes. Et l'album, il sort. Déjà, on fait, et ça coïncide avec la guerre, on patouge dans la promo, 3 mois, 6 mois, l'album ne décolle pas. Et les gens me disent, non, pourquoi tu sors maintenant? Parce que. Et un an et demi après, boum. Explosion totale. L'album explose. Cet album, tu l'as préparé quand tu as dû même te, on va dire, en griffe, te replier en Europe pour pouvoir le préparer, non, cet album? C'est ça. C'est vécu en Europe, cette parenthèse avant l'explosion des Terres des Hommes. Comment tu vis cet intermède existentiel en France? Ben, en France, j'arrive justement pour couper un peu avec une certaine déception. Parce que tu te dis, bon, Zambacro, oui, mais en même temps, tu as envie de faire un album plus fort. Et moi, je pars en Europe, on sort l'album. Et puis, c'est Kader. Un matin, c'est M. Kader Diré qui m'appelle, qui me dit, petit, il faut que tu rentres. J'ai dit pourquoi? Il me dit non, on a 2 gros concerts à préparer. Et tu te demandes pas, tu vois pas un peu l'ampleur que l'album prend, quoi. Mm-hmm. Je dis ah ouais, deux gros concerts. Ouais, l'album, c'est impressionnant, l'album a explosé et tout et tout. Donc du coup, tout remonte. Et moi j'arrive à Abidjan pour préparer mes 2 concerts. Premier concert, Palais de la Culture. C'était l'un des premiers concerts d'ailleurs au Palais de la Culture, Stade de Yop. Donc tu te dis, est-ce que je suis à la hauteur? Mais quand tu fais un peu le tour d'Abidjan, tu te dis, waouh, enfin on y est, quoi. On y est, et du coup, tout ce que tu as eu à prendre comme coup, tous tes espoirs et tout ça renaît en toi, quoi, tu vois, ça déclenche pas mal d'émotions en toi. Il y a un sentiment de fierté, d'avoir accompli quelque chose. Et puis on part, on fait les concerts, c'est extraordinaire. Avant d'aller sur quelques points saillants, dans tes propos introductifs, tu as dit, c'est vrai, ma carrière, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Tes bas, les moments où tu as vécu des moments très bas, c'était à quelle période?
dans ta carrière? Oula, des moments très bas déjà, ça part de Jean Bacro déjà, où tu te demandes est-ce que c'est la, est-ce que tu as fait le bon choix, et puis après tu essaies de te convaincre à toi-même qu'il faut que tu poursuives quoi, le combat. Il y a eu ça, et puis un truc comme Que la lumière soit, par exemple. Que la lumière soit, c'est un album qui m'a... voilà, qui m'a laissé quand même pas mal de séquelles. Parce qu'au départ, quand j'ai sorti l'album, je voulais faire un album assez ouvert. Donc, qui n'a pas été compris tout de suite. Tu vois, et au niveau de la prod, tout le monde commençait à être un peu déçu. Tu vois, et ça, c'est des moments de flottement qui peuvent pousser un artiste à abandonner, quoi. Tu vois, parce que tu as l'impression de ne plus exister. L'impression de disparaître des radars. Après ce qu'on avait vécu comme performance avec Terre des Hommes, quand tu sors un album et on s'est dit non, il y a tout du français, non, ben, tu déprimes. Tu déprimes et puis je me suis exilé, encore une fois, je suis parti. Et ironie du sort, c'est toujours la même chose. C'est un an, 8 mois après que l'album explose encore. Donc du coup, ces petites interludes-là, à chaque fois, avant que l'album, un album soit compris, ça, c'est des choses assez, assez difficiles quand même pour un artiste. Et quand tu vois tout ça, tu ne te dis pas que tu es un incompris quelque part? Forcément. Forcément. Un incompris, un peu avant-gardiste. Et puis, souvent, j'ai tort d'avoir raison trop tôt, musicalement parlant. Parce qu'il y en a qui font de la musique pour que ce soit consommé là. Moi, j'aime beaucoup me projeter, tu vois. Et souvent, après, c'est 10 ans ou 5 ans après que les autres te rattrapent. Après, quand tu comprends ça, tu te dis, bon, tu vis ta musique à fond, tu vis tes émotions à fond. Quand tu es en studio, tu es là, tu es dans ton univers, quoi. Les autres peuvent comprendre ou comprendre plus tard, mais tu donnes tout ce que tu as là-dedans. Voilà. Je sais qu'on allait revenir sur des points saillants, mais lorsque toi, tu vois tous tes albums, selon toi, c'est lequel qui est le plus abouti? Wouh! Le plus abouti musicalement? Ouais, pour toi. Wow. Je pense que la lumière soit fait partie d'un des albums les plus aboutis. Là-dessus, je suis très d'accord avec toi. Pour moi, hein, parce que quand tu écoutes des titres comme Bambo Ghetto, quand tu écoutes des titres comme Aïdara, quand tu écoutes des titres comme Kisura, quand tu écoutes, enfin, il y en a trop. Bien. Moi, c'est un album pour là, moi. Là, on a... J'ai posé... Oui, j'ai... on a atteint la dimension quand même. Oui, j'ai posé la question à dessein parce que cet album, pour moi, c'est le plus abouti. Mmh. Mais en même temps, lorsque tu parles de cet état de fait qui fait que cet album sont appréciés des années ou des mois après leur sortie, est-ce que tu penses que le dernier album que tu as sorti, qui est Impérial, peut avoir le même sort, selon toi? Ah ouais, moi, je suis plus que jamais convaincu qu'Impérial va avoir le même sort. Plus que jamais. Tu sais, aujourd'hui, on est un peu dans le monde du bruit. Alors, il y a tellement de bruit que tout ce qui transcende, tout ce qui appelle l'esprit, prend du temps avant de s'imposer. C'est comme ça que je vois les choses. Parfait. On est dans la problématique, hein. On va rester dans ce vase clos. On va aller étape par étape. Là, tu as parlé d'Impérial. Lorsque tu prends ton album Escale, où tu as fait, où tu as surfé sur du reggae, après cet album il est resté lettre morte. Yeah. Vrai ou faux? Lettre morte ici. Il n'a pas décollé comme il fallait, comme on le dit. Mm-hmm. Quelque part, il n'a pas décollé. Mm-hmm. Donc là tu dis Impérial pour toi, il va décoller. Pour toi, quelle est la recette qui fait que chaque fois, puisque là tu crois par rapport à Impérial, qui fait que chaque fois les gens te rattrapent plus tard? Qu'est-ce qu'il fait? Déjà, je pense que Escale, c'était, comment dire ça, c'était assez différent. Parce que Escale, j'ai travaillé avec des équipes basées en France. Voilà, c'était vivre quelque part un petit rêve. Tu vois, tu voulais échanger avec une sensibilité musicale et travailler avec certains musiciens en fait que j'appréciais, tu vois. C'est ce que je voulais partager dans un premier temps. Et puis faire des concerts un peu par là, quelques festivals reggae, vivre une autre émotion en fait. C'était ça. Mais maintenant, Impérial, la recette, je pense que quand on ne triche pas, tu vois, quand on ne triche pas dans sa plume, quand on ne triche pas musicalement,
Là, je vais te prendre au mot. Mm-hmm. Est-ce que tu penses que chez Impérial, en termes de plume, tu as été incisif? Oui, mais ce n'est pas orienté de la même façon. Parce que quand on dit incisif, tout de suite, on a envie qu'on dénonce ça, on dénonce ceci, on dénonce ça. Mais je pense qu'après 30 ans, il y a beaucoup de choses qui ont été dites quand même, quoi. Je pense que là, on est dans le rappel. On est dans le rappel. Et puis, sur Impérial, j'ai voulu faire un album qui parle d'autres choses que des choses politiques. Tu vois, après tout ça, on est des humains, tu vois. On a d'autres émotions, on a des choses qu'on vit dans les sociétés qui ne sont pas forcément en rapport avec la politique. Mais de notre histoire en tant que, de nos histoires en tant qu'être humain, voilà, c'est juste sur ça que j'ai voulu surfer. Tu mais vois. Ami, pourquoi est-ce que tu n'as pas l'impression justement que ce combat que tu as engagé depuis belle lurette est apporté préjudice quelque part? Au point où aujourd'hui ta plume un peu, tu essaies de l'orienter sur d'autres thématiques. Non, je ne pense pas qu'un combat porte préjudice. Hein. Je pense que les gens m'ont écouté. Les gens ont compris le message que je voulais porter. Les gens ont compris le combat que je menais. Ça fait bouger des lignes, plus ou moins. Mais je pense que j'ai servi à ouvrir cette libération-là de pas mal d'esprits qui étaient plus ou moins enchaîné. Je pense que ce combat, on l'a mené. Mais après tout, on fait d'abord de la musique, tu vois. Porter préjudice, je ne pense pas. Et en même temps, je veux dire, dans un autre sens, je n'ai pas fait de la musique commerciale. Dans ce cas-là, on peut parler de préjudice. Parce qu'à un moment donné de ma carrière, j'ai dû faire des choix. Tu vois, quand j'arrive en Europe, je travaille avec des gens qui font de la musique commerciale. Donc, à la limite, qui te disent, voilà la recette, voilà, on fait sauter les jeunes, on fait danser. Bon, il n'y a pas d'engagement derrière ça. Donc, par moment, il a fallu choisir. Mais pourquoi toi, tu n'as pas voulu t'inscrire dans ce registre, justement? Non, parce que je ne savais pas faire cette musique-là. Je ne savais pas faire cette musique-là. Pour moi, ça ne voulait rien dire. Parce que pour moi, ma musique, ça dépeignait ma personne déjà, ça dépeignait ma philosophie, ça dépeignait mes ambitions, mes rêves. Tu vois, c'était ça pour moi, faire de la musique. Tu vois, c'est pour ça que je ne me suis jamais inscrit dans ce style de musique. Et même ici, il y a des moments où forcément, il y a des portes qui te sont fermées. Il y a beaucoup de portes qui te sont fermées. Et ici, les gens sont très, très stratèges. Il suffit que tu ailles jouer dans un endroit où les gens ne sont pas les bienvenus. Qui leur sont hostiles quelque part, ouais. Quelques 2 minutes d'arrêt sur ton image, ça explique tout. Pour la petite anecdote, le premier concert, par exemple, du RDR à Abobo, où je suis invité justement avec Zambaco. Je suis assis dans la foule, je suis invité avec plein d'autres artistes. Donc le soir à la RTI, on fait arrêt sur image au moins 5 secondes sur ma personne. Tu vois, 5 secondes sur ma personne, ça avait scellé l'engagement, ça voulait tout dire. Tu vois? Et quand je sors de là, je comprends tout, quoi. C'est clair que ton engagement a toujours fait débat. Mmh. Tu es l'un des rares artistes, malgré ça c'est ma déduction. Après, elle n'est pas partagée par tout le monde. Mmh. Je sais que tu n'as pas un engagement politique ou bien tu n'es pas porté par un pouvoir politique. Tout à fait. Loin de là. Ça, c'est une déduction personnelle. Tout à fait. Mais cette manière, cette lecture que les gens ont eue par rapport à ton engagement, de te trouver des couleurs politiques, comment est-ce que tu l'as vécu? Et comment est-ce que tu le vis au jour d'aujourd'hui? Oh, pour moi, je pense que c'est comme ça. C'est comme ça. Mais je pense que je n'ai pas eu à me justifier tout le temps. Parce qu'à chaque fois que je sortais un album, justement, ces gens qui me collaient des étiquettes politiques se posaient des questions. Donc, ça m'a permis de démontrer que j'étais déjà là pour les masses. Voilà, quels que soient les pouvoirs, j'ai mené tous les combats. Voilà, mais souvent, on a, comme un ami le dit, le peuple souvent n'a pas de mémoire. Donc, l'artiste trace sa route. Et puis l'histoire nous dira. Ce qui est intéressant, le tout, c'est d'être en phase avec toi-même. Et je pense que tu es toujours en phase avec toi et avec tes convictions. Oui. Je vais parler de quelques points saillants qu'on a pu partager comme ça. Lorsque tu sors cet album La Terre des Hommes, il t'emmène
si j'ai très bonne mémoire, un 1er janvier 2004 à Boaké. Un 1er janvier 2004 à Boaké pendant la rébellion. Ouais. Ouais, ça a été un tournant assez décisif de ma carrière. C'est-à-dire, à côté de l'engagement, musicalement parlant, il fallait démontrer son engagement physiquement, humainement. Voilà. Donc, avant d'aller à ce concert, j'ai eu pas mal de pression. Des gens qui ne voulaient pas qu'on y aille. Parce que pour eux, ça scellait une rupture. Voilà, donc beaucoup de chantage. Beaucoup de chantage. On a effrayé les musiciens. On a fait des rencontres. J'ai été convoqué. Voilà. Donc, dans la tête d'un artiste. Mais quand est-ce que lorsque toi tu franchis ce rideau de fer, ce qui était qualifié de rideau de fer, je me rappelle qu'on était parti le 31 décembre 2003, et on a joué le 1er janvier, voilà. Mais quand tu franchis ça, qu'après, il y a la flamme de la paix en 2007, et que tu n'es pas, tu bénéficies pas en griffe des fruits de ce qui est en train de se faire sur le plan. C'est assez impressionnant et assez choquant. C'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure, souvent le peuple n'a pas de mémoire. Tu vois, et pour la petite histoire, j'étais à Boaké. J'étais dans le stade, mais je n'ai pas joué. Et pourquoi? Ben parce qu'on ne m'a pas fait jouer. Parce qu'on ne m'a pas fait jouer, parce que les gens, à ce moment, avaient envie de mettre d'autres artistes en avant. Tu comprends? Et ça, en tant qu'artiste, tu es là, tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Et puis après, tu te dis, bon, je l'ai fait. Mais c'est des choses qui blessent, forcément. Tu vois, parce que quand tu te rends compte de tous les risques que tu prends, c'est-à-dire tu vas, comme tu dis, briser ce rideau de fer là pour prêcher plus ou moins un minimum d'espoir. Et quand cette flamme arrive, tu te dis au moins tu peux porter ce message là quoi. Tu vois, tu étais là quand personne n'y croyait. Mais j'étais là. Je suis arrivé par mes propres moyens déjà. Je suis entré dans le stade difficilement et je suis resté. Et tu vois les gens te regardent. Ils savent pourquoi tu es là. Tu es un chanteur, quoi. Et puis après, tout le monde, non, ils sont focalisés sur autre chose. On fait passer d'autres artistes. Et après, tu te dis, bah, peut-être que tu n'es pas le bienvenu, tu rentres chez toi. Avec cette entrée-faire, est-ce que tu penses avoir été rétribué à ta juste valeur par rapport à tout ce combat musicalement que tu as mené? Musicalement, je veux dire, aujourd'hui, ma seule fierté, c'est mon public. À 100%. Je veux dire, j'ai un public en or, quoi. Je pense que si ce public n'avait pas été là, je pense pas que j'aurais fait autant de temps encore dans la musique. Parce qu'à chaque fois que je veux taper le fond, ils sont là pour me rappeler qu'ils étaient là hier, ils sont encore là, quoi. Et c'est ça la magie dans la musique. Parce qu'aujourd'hui, c'est mon public qui me permet de diriger mon label. C'est mon public qui me permet d'enregistrer des albums. C'est mon public qui me fait vivre, tu vois. Et vraiment, je trouve que c'est une grâce. Ça m'a permis en 30 ans de faire que de la musique et de pouvoir vivre que de la musique. Tu vois, que ce soit ici ou ailleurs. Tu connais l'Europe, ce n'est pas évident. Quand tu arrives en Europe, il faut payer tes factures, il faut s'occuper de sa famille. Mais ce public-là m'a permis, en 30 ans, de faire que de la musique. Et ça, je trouve ça énorme. Waouh, parler de ton public comme ça, c'est tellement émouvant. C'est clair que ceux qui apprécient ta musique vont apprécier. Ils vont vraiment apprécier ce message. C'est clair que ça va leur aller droit au cœur. Est-ce que tu as déjà reçu une décoration de l'État de Côte d'Ivoire? Non, jamais. J'ai jamais reçu de déco. Et parfois, je m'amuse avec ça, même quand je suis avec mes fans et tout. Je dis, bon, vous avez un artiste qui est indécorable parce qu'on ne sait pas où il est. Quand il est ici, on croit qu'il est là-bas. Il n'a jamais été là. Mais non, je n'ai jamais reçu de décoration. Et même des encouragements, des encouragements souvent de quelques-uns. Tu vois, tu as comme l'impression que tu mènes un combat. Et quand ça aboutit, blackout. Tu mènes un autre combat, quand ça aboutit, blackout. C'est comme ça que je le vis. Bon, après, une déco, ça reste une déco, quoi. Mais je pense qu'à la base, on ne fait pas de la musique pour ça.
Je pense qu'on fait de la musique déjà pour partager quelque chose avec son public, avec un public. Et ça, c'est, pour moi, c'est la plus belle récompense. Et cette récompense, c'est ton talent. C'est ce talent que Dieu t'a donné, c'est inné. Qu'on le veut ou pas, on ne pourra jamais t'enlever ça. Tu me l'as dit tout à l'heure en off, on est fait du même bois, mais je ne savais pas que c'était jusqu'à ce point, parce que ne pas recevoir des reconnaissances nationales pour tout ce que tu as donné à cette musique, sincèrement, ce n'est pas pour lancer un message pour Soumbil. Je sais que tu n'en as cure, tu fais ton travail, te connaissant, mais quelque part quand même, lorsqu'on voit ça souvent, est-ce que... Forcément, il y a un brin de frustration quand même. Il y a un brin de frustration. Mais souvent, j'en parle, hein, même pas moi, en tant que Soumbil, mais un groupe comme les Salopards. Je pense qu'à mon humble avis, un groupe comme les Salopards mérite un minimum de reconnaissance quand même de l'État de Côte d'Ivoire. Parce que culturellement, on a créé une révolution, musicalement parlant. J'aurais aimé un jour comme ça que les Salopards soient là et qu'on dise, bon, les gars, vous avez bossé pour tout ce que vous avez apporté à ce pays. Vraiment, on vous est reconnaissant. Tu vois, ça donne du sens, quoi, à tout ce combat. Ça donne du sens à tous les coups qu'on prend. Voilà. Laissons le champ musical, artistique. Tes plus gros succès, on va dire tes plus grosses satisfactions aujourd'hui, c'est sur quel plan? Laissons le champ musical. Humainement, déjà, à un niveau familial, humainement. Aujourd'hui, j'arrive à m'occuper de ma petite famille et puis à faire mon travail, surtout la création de mon label, à être indépendant. Cette indépendance, ça, pour moi, c'est professionnellement, c'est quelque chose de très, très important. Voilà, je pense que je vis tranquillement ma petite vie dans mon coin. Pour un artiste qui est beaucoup adulé par leurs femmes, par les femmes, par la gente féminine, il était important pour toi aujourd'hui de souffler cette air de stabilité sentimentale, il était important pour toi? Ben forcément, forcément. Et puis après, c'est quelque chose qui ne se décrète pas. Non, je pense que tout ça, tous ces mouvements dans la vie d'un artiste, c'est forcément des choses qui inspirent un artiste. Tu prends des gens comme Bob Marley, voilà, c'est des gens qui sont tellement toujours au front qu'on a besoin de beaucoup d'amour, tu vois, jusqu'à ce qu'une personne rentre dans votre vie et puis décide de tout changer, décide de vous calmer, tu vois. Et ça, c'est bien. Et tu le traduis à travers cette belle chanson, comme le vent. L'amour, quand il souffle, tu le sens. Et cet amour, tu l'as trouvé avec Sarah. Raconte, résume-nous un peu cette belle histoire d'amour, en quelques mots. Oula, moi je pense que c'est le destin. Hein. Je pense que je devais aller un jour en concert. C'était à Libreville. À Libreville. Et ce jour-là, elle aussi, elle se rendait à Libreville pour son anniversaire. C'était même pas prévu. Au dernier moment, elle a décidé d'y aller. Et puis comme ça, on est à l'aéroport. Je la vois, je flash. Très belle forme d'ailleurs. Je me dis waouh. Et je suis dans mon coin parce que moi je suis quand même assez timide à la base. Mais quand même, je décide de lui faire un petit coucou. Tu vois, elle était encore jeune, dans la flamme et tout. Donc quand je lui fais un petit coucou, la meuf elle me zappe d'abord quoi. Mais je le fais pas ça, je le fais en speed, tu vois, parce que c'est la star quand même, la star qui prend un vent. Donc je prends mon vent et puis je vais me mettre loin. Et comme ça, il y a une voix qui me parle quoi. Ça, je l'ai toujours dit, j'ai écrit souvent dans mes chansons, c'est assez bizarre. Quelque chose me dit, mais et si c'était ta femme? Et je me mets à rigoler tout seul. J'ai dit, non, comme ça, là, ma femme. J'ai dit, mais voilà. J'ai changé de vie, voilà. Et voilà, on s'en va. Mais je ne lâche pas l'affaire, donc j'envoie mon manager maintenant. Paix à son âme, Jagen Avoué, je l'envoie faire le sale boulot, quoi. Et puis moi, je suis à côté parce que je me suis pris un vent. Donc, on arrive à Libreville. Et puis, comme ça, on n'a pas nos affaires. Mm-hmm. Quelque chose de bizarre. Ce jour-là, les bagages n'arrivent pas. Donc, moi, je viens pour un concert. J'ai pas de bagages et tout. Et puis, c'est la première fois où on profite. Quand on va se plaindre à la compagnie et tout, où on parle un peu. Voilà, et puis elle part. Et puis, on fait connaissance. Et ça, c'est le 5 août 2025. Depuis ce temps, on ne s'est plus lâché. 5 août 2005. 2005. 2005.
17 ans. 17 ans d'amour. Waouh. On ne s'est plus lâché. Donc, je pense qu'il y a... Là, vous avez combien d'enfants maintenant? Il y a une belle symbiose, on en a 3. 3. Mm. Ils grandissent bien, les petits. Ils grandissent bien, ça va. Ça va. Ça fait plaisir en tout cas de te voir apaisé sentimentalement parce que je sais que tu as vécu beaucoup de tourments. Et ça, est-ce que quelque part ça t'a amené souvent à douter de l'amour? À douter, je vais dire pas à douter de l'amour, mais à douter des femmes. À douter des femmes. Parce que je pense que l'amour, c'est un sentiment qu'on ne contrôle pas vraiment. Après, bon, quand vous le vivez à deux, vous passez un autre cap. Il y a une sorte d'engagement, il y a cette envie de compter l'un sur l'autre, et ce qui n'est pas toujours évident. Donc, quand vous trouvez cet équilibre-là, vous avez trouvé le véritable amour. Dans la chanson L'un pour l'autre, tu dis « J'ai pris beaucoup de coups ». Mais les coups que tu as pris, c'est des déceptions sentimentales ou bien c'est des coups humainement parlant? Humainement parlant et puis des déceptions sentimentales aussi. Qu'est-ce qui a pu te faire gerber sentimentalement de te dire, mais attends, non, mais c'est lourd quand même. Ouais, et bon, quand on est jeune, tu vois, on s'attache vite, hein, tu vois, et à chaque fois, tu te rends compte que, voilà, et puis les gens à côté, c'est un artiste, on dit, c'est un vaurien, c'est ceci et cela, et c'est, souvent, c'est pas très loin, quoi, tu vois, donc ces choses-là, tu les découvres. Voilà, en tant que jeune, tu es amoureux, tu es dans la flamme et tout, tu es, voilà. Donc, c'est des choses que j'ai découvertes. Puis après, voilà. Vu que tu dis t'avoir, t'être attaché, du moins c'est beaucoup de fois, tu as vécu combien de fois les déceptions sentimentales? Comme on le dit de manière prosaïque, tu as vécu combien de goumets? Avant de te stabiliser, avant vraiment. Avant de me stabiliser, j'en ai vécu... combien comme ça? Combien? Là, je ne vais pas te dire. Ouais, deux, trois. Ouais. Non, mais bon, parce que déjà, il faut être attaché plus ou moins. Donc, je pense que peut-être. Mais comme toi, tu t'attaches trois, facilement. Voilà, peut-être quatre ou cinq fois. Quatre goumets. Ouais, quatre ou le cinq plus, fois. Le plus terrible des goumets que tu as vécu. Relate-nous. Oula, Vergès. Non, donc, c'est pas vraiment un goumet parce que, bon, le plus gros goumet, je veux dire, c'est quoi? C'est quand tu. J'avais une meuf donc, de qui j'étais quand même assez amoureux, voilà, qui était un peu dans le même milieu que moi. Je ne vais pas te dire son nom. Et voilà. Je le concède. Et voilà. Et puis après, voilà, au moment où toi tu commences, moi je commence à être amoureux, la meuf, c'est là où elle commence à douter, quoi, tu vois. Et elle prend son vol et elle quitte le pays. Elle va dans un autre pays étranger. Et puis voilà, et toi t'es là, tu te tournes les doigts et puis le jour où tu la rencontres, tu dis non mais moi je croyais que j'ai joué, moi je croyais qu'on jouait en fait. Alors que toi t'étais amoureux, t'étais à fond dans les trucs. T'étais amoureux, tu te dis waouh, bon, ça encore ça existe. Donc tu prends vraiment une claque quoi. Et ouais. Tu te dis ouais, demain si je dois m'engager, il faut vraiment que ce soit la bonne personne. C'est clair. Voilà, et comme ça quand je rencontre ma femme, tout de suite, c'est deux forts caractères, ça n'a pas été tout de suite évident. Parce que je connaissais mon milieu et tout, puis elle aussi, elle a un sacré caractère. Donc c'était tout le temps, c'était le feu au début. Tu vois, jusqu'à ce que, parce que c'est sans faux fuyant, se découvrir, se laisser découvrir tel qu'on est. Et voilà, et puis on s'est accepté comme ça. La plus belle leçon que tu as retenue de la vie, c'est quoi? Oula. Je dirais que c'est des leçons d'humilité. C'est des leçons d'humilité. Je pense que ceux à qui la vie donne la lumière, les vrais, cherchent à vivre dans l'ombre. Mais ceux qui cherchent à se faire voir, c'est ceux qui sont déjà dans l'ombre. Je pense que la vie est faite de tellement de péripéties, tellement de retournements de situation. Et avec l'expérience que j'ai, tu te dis, en toute chose, il faut savoir garder son humilité. Parce que l'avenir, c'est Dieu seul qui sait de quoi l'avenir est fait. Quoi. Voilà. J'attendais ce moment depuis longtemps, cette interview avec toi.
merci de nous avoir offert ce plateau, ce très beau tableau. C'est un très grand plaisir en tout cas de vous faire. Merci pour ce beau plateau. Si tu as un mot fort, un message fort que tu souhaiterais faire passer à la faveur de cette interview, ce serait quoi? Merci, j'aurais dit merci déjà pour ta fraternité. Parce qu'au-delà de l'interview et tout, je pense que aujourd'hui les hommes doivent savoir compter les uns sur les autres. Quand on me demande est-ce que tu as des amis, je dis non, j'ai pas d'amis. J'ai des frères. Et tu fais partie de ceux-là. Voilà, donc j'ai quelques-uns comme ça sur qui je sais que je peux compter. Tu vois, qui connaissent ma vie par cœur. Et des personnes comme ça sont rares aujourd'hui. Voilà, donc c'est la fraternité, c'est quelque chose d'essentiel. C'est un message que Soumbil partage avec vous. Moi, vous avez dû voir un peu le cours de cette interview, j'étais beaucoup ému parce que Soumbil, pour moi, c'est beaucoup de respect. Humainement, il sait, mais artistiquement, après Lucky Dubé, qui est l'artiste que j'aime le plus au monde, Soumbil reste l'artiste que j'aime le plus au monde. Je lui ai déjà dit hors micro, je le dis face caméra. Et comme il a dit tout à l'heure, les frères, ça ne se voit pas tous les jours, mais le cœur, il est là. Et il sait combien de fois. Tu sais, je sais, on n'a pas besoin de trop parler devant la caméra, mais il y a une belle leçon qu'il nous donne, c'est celle de l'humilité. Ceux qui aiment se faire voir, c'est parce qu'ils sont dans l'ombre. Mais lorsque tu as la lumière, et je pense que Alpha Blondy nous en donne très souvent la parfaite illustration, c'est cette humilité dont il s'imprègne au quotidien. Et lorsqu'on voit la superstar que ce monsieur est, et lorsque vous l'approchez, et Billy, lorsque tu parlais, c'est à lui que je pensais. Absolument. Et c'est tellement beau. Et c'est quelqu'un qui déteint forcément sur moi parce que c'est mon idole. C'est ça. Et moi, pour avoir eu à travailler avec lui, il m'a légué ça. L'humilité, la modestie. Ça fait qu'au final, tu regardes la vie, tu dis bon, on fait ce qu'on a à faire et on s'efface. Et c'est Dieu qui appréciera. Merci pour ce beau moment. Merci. Merci infiniment. Merci beaucoup. Plein succès à Impérial. Merci. Et je le rappelle, au mois de novembre, il vient encore pour un beau récital. C'est le 25 novembre, je crois bien. 25 novembre. Au Palais de la Culture. On y sera pour aller encore vibrer au son de l'un pour l'autre. Qui saura Aïdara, Inch'Allah. Inch'Allah. Seigneur, en toi, j'ai placé ma foi. Tu peux chanter ça pour moi? Car il n'y a que toi qui sois digne de louange. Mes ennemis sont tapis dans l'ombre, ils veulent me voir saigner. Prends-moi sous ton aile, car éternel est mon rocher. La forêt, il le faut, l'espoir vers l'espoir. L'humilité caractérise le sage. Et la crainte de Dieu est le début de la sagesse de tout mon être, j'y crois. On termine par ça. Merci, que Dieu vous bénisse. C'était Guillaume Vergès pour Actu People. Merci pour tout. Merci, Billy.